Hello les Dakama, on se retrouve pour le résumé foireux. Et il y a tout le monde qui vous dit coucou, coucou YouTube, voilà, parce qu'il est important de rejoindre Twitch tous les lundis soirs à 21h, mardi soir 18h30 et jeudi soir 21h. Du coup, si le perso préféré de Soso c'est Levi dans SNK, ça veut dire que dans Hunter x Hunter, son perso préféré à part Killua, c'est Feitan? Non. C'est Kurapika. Sorry, c'est pas que les coupes de cheveux dans la vie. Est-ce qu'il va dire dans le passé? Vas-y, je vais voir. Dans le passé. Dans le présent. Non. Tu sais, j'ai le mort là. Message urgent d'Erwin. Il a dit qu'il a été arrêté par l'État. Cher Levi, si tu lis cette lettre, c'est que les hautes sphères m'ont arrêté car ils étaient jaloux de mon magnifique faciès. Ou parce qu'ils me soupçonnent d'organiser un coup d'État en utilisant Eren et Historia. Je ne sais pas trop. Zoubi Zoubi, Erwin. Bien joué tout le monde. Zoubi. Vous êtes devenus des fugitifs recherchés. Croire aux fanfictions au moins. T'en as pas marre de poser des questions débiles? Bien sûr qu'il faut continuer à y croire. Sans la fanfiction Goku X Anne et Frank contre Super Saiyan Hitler, je sais pas comment j'aurais tenu le coup. Oui. Ça existe. Ils veulent capturer. Ça existe vraiment cette fanfiction? Ils ont mis oui, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a une fanfiction. Oui. Pauvre vous Armin. Vous n'êtes pas mon genre de Fräulein, monsieur. Serre les fesses, Armin. Bon, c'est ton devoir. Attends, il y a quelque chose qui va pas. Que voulez-vous dire? On parle calmement, la mission se passe sans accroc, et pourtant il y a une musique de tension qui devient de plus en plus forte, comme si un boss de Dark Souls allait nous tomber dessus. Dark Souls, putain. Temporel, comme toujours. Moi, je n'entends que le bruit des feuilles portées par le vent, des petits oiseaux et des armes à feu pointées dans notre direction. Kenny! Je déteste avoir toujours raison. Regarde comme mon introduction est bien animée, Levi. C'est le signe que je suis un personnage important. Tu te débarrasseras pas de moi si facilement, merde! Il mourra deux jours plus tard. Kenny! Kenny! Jolie escapade. Merci. Par contre, Eren, pourquoi cette scène n'avait aucun flow avec ça? Sérieusement? C'est la troisième fois qu'Eren se fait kidnapper! En un an! Là, c'est plus possible. On l'attache avec une laisse la prochaine fois. Petite chienne! Sans compter que le prêtre qui en savait plus sur les... Dommage qu'on n'ait pas pu l'interroger avant qu'il ne meure d'une crise cardiaque, provoquée par ce couteau! Pourquoi je suis attaché? Pourquoi l'auteur essaye de m'humilier H24? Non mais là... Bienvenue au club. Bingo! En le touchant, Historia, tu pourras voir les souvenirs de son père et le sort tragique de notre famille. On n'a rien vu. Bienvenue au Fräulein Burger, le burger qui fait fureur. N'hésitez pas à goûter nos délicieux sandwichs au goût de capitalisme. Et un supplément pour les demoiselles, vous aurez droit à mon petit fessier bien dodu. Miam, miam. Je vais te raconter moi-même l'histoire tragique de notre famille. De manière ultra détaillée. Longue. Et chiante. On a enfin trouvé leur planque. Armin, les explosifs sont opérationnels. Ya, Captain Deutsche Qualität. Attendez, vous êtes... Ya, Captain Deutsche Qualität. Mais Armin, il est incroyable. Fräulein. T'es sûr qu'on devrait pas essayer de négocier avant? Fais comme tu veux. Écoutez-moi, rendez-nous Eren et Historia et on va vous exploser la cervelle. Tu voulais pas dire où? Oh, rendez-nous Eren et Historia où on va vous faire exploser la cervelle. Non. J'ai tout essayé, on peut y aller. Let's go! C'est ainsi que les rails sont préservés l'humanité au fil des siècles, et pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a lui maintenant? Ça fait trop d'exposition d'un coup, il a un peu de cerveau. Fais Ymir à ma place. Christa, n'oublie jamais que si quelqu'un te force à faire un truc que t'as pas envie de faire, tu lui défonces sa mère. Tu lui défonces sa mère. Son nouveau pouvoir. Le pouvoir du virus de la mauvaise blague, bien sûr. Tu connais la blague de l'armoire? Elle est pas commode. Comment est mort le Capitaine Crochet? En se grattant les couilles. Je connais une blague zoophile. C'est un homme qui rentre dans un bar. Eren, pourquoi t'es pas drôle? Je sais pas contrôler les titans et en plus je passe pour un con. Voilà notre plan pour stopper ce titan. On va lui insérer des explosifs à travers sa bouche. C'est là qu'il sera le plus vulnérable. Pourquoi ton dessin de lui ressemble à une poupée gonflable? On était pressé, je n'avais pas le temps de m'attarder sur les détails. C'est vrai que c'est perturbant. Je sais pas si on veut le tuer ou le baiser au final. Enfin bref, c'est un titan. Encore là, toi. T'as jamais appris à crever? T'es vraiment qu'un petit con d'ingrat. Voilà comment tu me traites après ce que j'ai fait pour toi. Salut, Sorette. Bon Dieu, tu t'es vraiment laissé aller depuis la dernière fois, les drones.
Arrête, oh. Réponds quand je t'insulte. Elle peut pas vous répondre. Hein? Oh putain, t'es tellement moche et pâle, on dirait Gollum avec des cheveux. Ma maman est morte. Oh, Miskin, Levi. C'est ainsi que je t'ai sauvé. Je t'ai pris sous mon aile, tel le super-oncle que je suis. T'es parti 3 jours plus tard en me laissant seul avec un couteau. Hey, te plains pas. Tes parents abandonnent leur gosse et prennent le couteau avec eux. Tes dernières paroles. On dit que pétrir, c'est modeler. Moi, je dis que péter, c'est démolir. C'est que la blague, elle est bien. Elle est vraiment bien. Blur. Transition. Salut Blur. Les boys. Comment se passe votre petite mission d'infiltration? Quelqu'un notre que j'adore. Notre couverture s'est fait cramer et Eren nous a échappé parce que Bertold avait envie de se taper Annie. Hé, hey, toi aussi tu voulais croquer Historia. Donc, vous voulez dire que notre victoire sur une guerre qui dure depuis des siècles a été compromise par 2 blondasses? Nos teubes ont été plus fortes que nos esprits. Ressaisissez-vous, messieurs. Vous partagerez le même destin qu'Ymir. À la maison et en sécurité. Dévorée vivante et remplacée. Bah, j'étais pas loin. Arrêtez la mauvaise foi et allez chercher mon petit frère. Fais attention à toi, vieux. Ok, mais me frappe pas, mec. C'était affectif, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. Je suis pas ton gars, mon pote. C'est ça, ouais, ce qui est Naruto, c'est quoi? Je trouve un dingue. J'ai trouvé les traces d'Akop et Ma. On n'est pas tout seul. Soldat, tâtez le terrain pour trouver où se cachent nos ennemis. Y'a quelqu'un? Quelqu'un? Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Ah, d'accord. Merci. Attends. Allez, oh putain. Hé les gars, c'est bon, je peux faire mon entrée? Non. T'attends la saison 4 comme tout le monde. Ils ont tout prévu, ils nous bombardent de tous les côtés. On ne pourra pas s'enfuir avec les soldats. Savez-vous pourquoi je vous rappelle sans cesse que je suis beau? Parce que vous êtes un connard narcissique. Parce que la vie essaye toujours de me baiser à cause de ma beauté. La vie de m'a baisé beauté. Quand j'ai posé trop de questions et que l'État a assassiné mon père. Et quand j'ai perdu des centaines de camarades au combat. La vie tente de nous baiser une fois de plus derrière ces murs. Mais cette fois, nous allons la baiser en retour comme jamais, jusqu'à la dégoûter du Kama Sutra. Qui est avec moi? Ouais. Ouais. Oh les bâtards. Game over. Eren, retiens Bertold. Je crois que j'ai réussi. Je sais pas le dire avant pour ne pas passer pour un froussard, mais j'ai peur. Aussi peur que Hitler en 45, on a compris. Non, Eren, à chaque fois qu'on part en mission pour sauver l'humanité, j'ai peur de tous vous perdre. Mais quand la peur me paralyse, il me suffit de hurler Fräulein en pensant à vous. Et je n'ai plus de doute sur ce que je dois Fräulein faire. Fräulein, tu sais... Armin, non. Quelle scène incroyable en plus. Je... les chercher sans plus y croire. C'est vrai que la saison 2, il n'y avait pas de musique. Un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, armé pour qu'ils reviennent. C'est que c'est même pas dans les temps, c'est horrible. J'avais trop de peine. Qu'est-ce qu'il a chialé comme ça? Et pourquoi ça pue le cramer? Putain, on a pas vu la scène de Levi contre les Titans bestiales. Ok, on va faire simple. Entre Héroïne et Armin, qui a le plus de répliques mémorables dans les résumés foireux et qui sont hurlées sans cesse par des abonnés en convention? Attendez, Fräulein, j'ai eu que 3 répliques cette saison. J'ai même pas eu de flashback. Shrek, sauve-moi. Ouais, tu sais que je suis contente là. Il était mort et j'ai ressuscité pour vos péchés. Je suis le petit Jésus version Berlin. Tu te la ramènes beaucoup pour quelqu'un qui a la même coupe que Dora l'exploratrice. Vous en avez pas marre de critiquer les coupes de cheveux? Nous allons enfin découvrir les secrets que cachait mon père. Les secrets sur mes origines et peut-être celles de l'humanité. Hein? La clé ne rentre pas? Poussez-vous. Ah, je viens de me rappeler qu'on a une autre cave juste à côté. Oh bordel, merci. Mon père avec une autre famille? Dans le passé! Les Eldiens, ancêtres d'Ymir, qui sont persécutés sans cesse par les Mars. Ça me rappelle quelque chose! T'emballe pas, c'est une grosse coïncidence, rien de plus! Nous portions des brassards en forme d'étoiles pour qu'on nous distingue plus facilement dans la foule. Oh mon dieu, Armin avait raison! J'essaye de vous prévenir depuis le début, mais personne m'écoute! J'ai mené une révolution. Mais personne m'écoute! Espèce de monstre! Hé, hey, t'as vu la gueule de ta femme et c'est moi que tu traites de monstre! Ne lui manquez pas de respect! Toutes les femmes sont des reines! Si elles respirent, c'est une catin! Allez, ciao! Connard de merde! Je suis la chouette. Et je suis un infiltré des ancêtres d'Ymir. Je suis la chouette. Et pourquoi senti la lecture de Mein Kampf, mais il y a quoi au-delà des murs? Waouh, la mer! Waouh, c'est de toute beauté! Waouh!
roi, cette semaine est plus large que celle de Jean. Mais... Ça vous dit qu'on reproduise le débarquement en Normandie? Pas maintenant, Armin! Tu dois être content, Eren. Voici la fameuse mer dont nous rêvions de voir étant petits. C'est ce que j'ai longtemps cru. Qu'au-delà de la mer, il y aurait la liberté. Mais non, c'est comme les souvenirs de mon père. Au-delà de la mer, il y a des ennemis. Oh, mais quel casse-couille! Sérieux, Eren, pour l'ambiance, on repassera, hein! À cause de toi, la saison se termine sur une note ultra pessimiste! Quel petit con! Bonne nuit, bonne soirée, et venir YouTube, oui, c'est important YouTube, et il faut venir sur Twitch, et ce sur Twitch, vous allez sur YouTube. Bye bye tout le monde! Bye bye!